Comment marche ou comment fonctionne la justice du téléphone? La justice du téléphone, comme son nom l'indique, elle utilise la justice du téléphone. Parce que c'est une justice qui n'obéit à aucun processus légal, qui travaille hors légalité. Allô, Abdo. Ça va, Chouya? Ça va d'abord, ça va ton frère. La justice du téléphone, comme son nom l'indique, elle utilise la justice du téléphone. Parce que c'est une justice qui n'obéit à aucun processus légal, qui travaille hors légalité. فرمتي انا راني حاصل ما بدأتني ولا راني حاصل قلت لهم يجيبوا لك اليوم او عندي نص او انا زرق او عندي اليوم سوق بلا برمي انا السام سوق بلا برمي حرك يا خلاص حرك لا مال Comment marche ou comment fonctionne la justice du téléphone? La justice du téléphone, comme son nom l'indique, elle utilise la justice du téléphone. Parce que c'est une justice qui n'obéit à aucun processus légal, qui travaille hors légalité. Bonjour Abdo, ça va? مهني الله ما سمعت كان سيلونس لا لا كان سيلونس ديو جيتي اون تران ديكري قدام حتى شفت لا لوميير يا لا وصلت عبدو البيرو يا عبدو je vais te demander un truc je vais te demander un truc je te jure tu peux compter sur moi je vais te régler tous les problèmes علاه درت هذاك لو بابي على بوشوارب تعمل بوشوارب هذا يا شو بابي درتو لا tu l'as repris mais Maghreb émergence Maghreb intelligence. Un partenariat marrant. Eh. Non, mais c'est un papier, on le critique pas, on le dit, Berkbili, voilà, il a de bons réseaux, il est lobbyiste, etc. Au contraire, il n'est pas trop critique contre lui. نحي قالك الله يعاونك يعاونك نعاون يعاونك قالت خلي قالت عييت قال لي عييت دو فوار دي تخيك سوغ موا خليه غوفيان او جو جو كان فا بيان بوسي والله هو يتدي فيهم بيرسونيلمون اقسم بالله بيني وبينك نعم وين ما بلي اني في المقاول سي تري انتريسون ابون وي او راهو من تاع كلوب ديما بداو ديجا بداو وي بيان سور ارواح ارواح اني هنا هيا اوكي خليني بكش فوضى نكمل الخدمه ونعاونها نحيها الله يسترك الله سورتو لا تخاز هذيك الشغال ايه تخي بيان تقولوا يعاونونا ثاني ماشي غير انا اللي نعاون من عندي و جو تو جور كي فال فير والله لوي سي ان نوم دو بارول انا جو بران سور موا انا انا جو بران سور موا انا جو اي تو فيرا هيا خلاص ايا شكون هي اون في كان الفوتوغراف هذاك وخلي غير الحويجه ايه اوكي هيا تكتب علاش نعيطوا لها لا جوستيس دي تيليفون باسكو سي اون جوستيس كي نوبيي à aucun processus légal, qui travaille hors légalité. Abdou! Salut mon ami! Ah, le Alors, Marocain! Le Marocain, le Alors, Marocain! ce qui m'a dit, moi, je demande auprès de notre ami. Oula, mais je t'entends pas très bien, tu as dit quoi? Dis-moi, je demande auprès de votre ami, en commun. Allez, là-bas, chauffe. Oui, Demain, tu prends l'avion à 15h30 à Alger, c'est bon? Le lundi. Ah, demain, je me le lundi. Et moi, j'ai été à 14h. À 15h30, parce que là, tu arrives à 17h à Casa. Ah, ok, mon ami, ok. Ok, on fait comme ça. De Casa à Rabat, comment j'arrive? Je t'envoie le chauffeur. Donc, il me récupère de l'aéroport de Casa direct? Bien sûr, je t'envoie mon chauffeur, il te récupère à l'aéroport, dès que tu rentres à l'hôtel. Il y a quoi avec le chauffeur, il y a le magasin noir là? Il y a le magasin, il y a le magasin noir là. كيف نخدم في الدينا عندك الحق اخو خير ابغي تشوف بالغا لا روسيت ايوا شو اللي غير تشوف هي غير كومسا تشوف بالغا لا روسيت صافي جو تنفوا دابا يا اون فوا اون فوا ما تقنيني سيل تو بلي كومسا تنفوا لو بيي تو سويت كيف دوما دوما جو تنفوا ولا جو فيت ريكوبيري موا ميم كاع ماشي مشكل ولا غير سيري ميم ريكوبيري ايوا واش لا سي دوما سي ديمونج احنا عندنا جور فيري كان ريكوبيري موا ميم Ah, ok, laisse-moi juste confirmer. Là, je conduis, je rentre pas à la maison. Je fais un ou deux coups de fil pour organiser ma journée de demain et je te confirme. Il est temps de faire du journalisme de qualité. Il est temps de dire non aux fake news. Il est temps d'éclairer l'opinion publique algérienne et de lui fournir un contenu indépendant pour qu'elle puisse se forger, pour qu'elle puisse reconstruire le pays. C'est le moment de faire du bon journalisme. Allô, Abdo.
Ça va, Chouya? Ça va, Nabas. Ça va, t'es prêt? Je suis en train de me faire. La seule voix, pratiquement, malheureusement, la seule voix médiatique qui ose révéler des dossiers, donner des noms, donner les vrais chiffres, révéler les véritables identités et sans aucune peur. Anna Mlach Chouya, parce que je vais vous donner une vidéo. D'abord, pour vous remercier, mais le premier appel aux dons, les Nafir Algérie Park, Bzef Menkom, Batouna des dons, ils nous ont envoyé par virement bancaire. Chacun de son côté, il a envoyé une somme à l'Assemblée Moyenne Théo. Je vous remercie énormément. Tous ceux et celles, il n'y a pas eu que des Algériens, il y a aussi des Algériennes qui nous ont envoyé des dons. Merci beaucoup pour votre solidarité. J'ai pu fuir, après j'ai pu regagner Paris grâce à un reporter sans frontières qui m'ont exfiltré carrément. Donc c'est tout un film. D'ailleurs, une enquête en Algérie sur comment j'ai fui. Donc on enquête sur comment un journaliste retrouve sa liberté, mais on n'enquête pas sur les gens qui sont corrompus, qui volent, qui pillent les richesses de ce pays. Allo Abdo. Ça va, Chouya? Ça va, Nabas. Ça va, t'es prêt? Et ça, c'est de la recherche, c'est des informations utiles. Les Bihom, l'opinion publique algérienne de Bledna, elle peut se faire une opinion en toute liberté. Donc, la liberté de la presse, elle doit être entretenue. Ou c'est pas une affaire qui concerne uniquement les journalistes, elle concerne tous les citoyens. Voilà ce qu'on va faire avec vos dons. Abdou Semar est rédacteur en chef du site d'actualité et d'investigation algeriepart.com.